Et yop, tout le monde, c'est Oranor et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Metro Last Light. Je viens de m'enfuir de la base des fachos à l'aide de mon fidèle camarade, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Pavel. C'est ça, Pavel. Et je suis donc dans une espèce de grotte. Je pense que j'ai affronté des ennemis ressemblant fortement aux araignées, prédateurs, rats du premier opus. Donc on va voir ce que ça va donner. C'était les mobs que j'avais trouvé les plus oppressants. Putain. Parce qu'en fait, ils craignent la lumière. Donc ce qui veut dire deux choses. Bon bah déjà que quand on a une lampe torche d'allumée, ils nous attaquent pas. Mais ce qui ça veut dire surtout qui nous contourne pour nous attaquer derrière. Et qu'est-ce que ça bouffe les bestioles, dis donc? Bon, allez, on avance. Ils disent qu'ils craignent pas les balles. Pour moi, c'est des grosses conneries. Ces bruits de nourriture là. Ah. Comme si vous alliez me planquer ça. Une petite bestiole passée au fond. Attends. J'ai envie de tuer cette bestiole. Car après tout, l'homme n'est-il pas là? Comment? Qu'est-ce qu'il disait? Ah, c'est un viseur longue portée. En remarque, ce truc-là, je m'en sers pas à courte portée. Peut-être qu'un viseur longue portée, en vrai. Parce que c'est des. Ah non, mais c'est pas le même flingue. Là, c'est un flingue, un vrai flingue. Ah ouais. Donc là on a ça à courte portée, ça un peu tout le temps, et ça du coup ce serait plutôt longue portée. Ça va, 2 secondes, 2 secondes. Je réfléchis si je prends le flingue bien amélioré à fond. Ouais, on va prendre le flingue plutôt. Parce que j'ai pas assez de balles de l'autre pour l'instant, puis c'est vraiment pas. C'est une arme sympa mais à distance seulement. Et attends. Hop. Pas les lattes derrière. Non. Ah, à chaque fois ça m'ouvre le truc Steam. Bon, vas-y, go. Hop. Est-ce qu'on a le choix? Sauvegarde, très bien. Putain, ça va lentement. Pourquoi il s'arrête? Eh bah. Voilà. Vous allez plus vite? Le chanteur est mort ou quoi? Merde. Ils sont cool, ils nous préviennent avant. On va éteindre la lumière pour l'instant. Merde, ils nous ont entendu. Ouais bah ils nous ont vus depuis longtemps. Hein. Bordel, on est en plein dans leur nid. Ah. Putain. Ah. Oula. Par contre s'ils sont une armée, je risque d'avoir. Tu vois son ventre? C'est son seul point faible. L'armure supérieure est trop solide. Ah mais ils ont changé du coup les mobs. Bon Arthur, si on rencontre un de ces machins, allume ta lampe jusqu'à ce qu'ils se mettent sur le dos. Compris? Ces fumiers ont. D'accord. Moi je les avais tués quand même. Donc ça veut dire que j'ai eu vachement de chance au point de leur tirer dans le. Allez, fuis-moi. Sur le dans le ventre.
Soit j'ai eu beaucoup de chance au point de leur tirer dans le ventre. La lumière ! Grave-la, merde ! Prends ça, saleté ! Merci, mon vieux. Un pour tous, hein ? Mais c'est par là, attends. Par ici. Le pont, on m'en a parlé. Ouais, ouais, ok. Donc je veux dire que j'ai eu beaucoup de chance dans le premier opus, en fait, en les flinguant au pif. Du coup, ils ont dû se retourner, en fait, sans que je me fasse gaffe. J'ai dû les tuer, bah pareil en fait. Ou alors, ils sont peut-être très tanky, mais pas invulnérables de face. Saloperie de bestiole. Bon, pour l'instant, ça va, on n'en voit pas trop. Sont plutôt mis dans les... En mode scénarisé. Succès des verriers pyromane. Ah ouais, cramer des toiles d'araignée, ça donne un succès, très bien. Je les crame pas parce qu'elles me gênent. Enfin, parce que c'est pas parce que c'est moche, mais parce qu'elles me gênent en fait. Quand tu te déplaces, elles te ralentissent. C'est bon, Artyom, saute. Ah mais en fait, il y avait rien à... D'accord. Allons-y. Retiens-les, Artyom. Je vais nous faire passer. Comment ça, retiens-les? Super, ça devrait marcher. Elle est tombée, cette conne. Artyom, Artyom, viens m'aider à tirer dessus. Sur quoi? Très bien. Tirons. Faut que j'appuie sur E. Ouais. Allez. Oh, yes. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Merde. Fais comme moi. Dans la voiture. Ah. Très bien. Ça va, ils sont plutôt cool, hein, je trouve. Allez, je vais t'aider. Après, on est qu'au début du jeu, faut pas oublier. J'espère qu'il va pas se faire bouffer, mon pote, mais. Merde. Elles sont plus grosses, celles-là. Artyom, aide-moi. Encore, tu m'aides, toi. Hein. Vraiment, t'es un mec cool. Plus vite, allez, plus vite, allez. Les tunnels et les stations du métro ne sont qu'une partie des projets de construction souterrains datant des longues années de l'histoire de Moscou. Les ducs construisaient des passages secrets et des cachettes, les tsars faisaient des catacombes et des reliquaires. Et même alors, il y a des siècles, ils tombaient parfois sur d'anciens passages créés il y a des temps immémoriaux, peut-être même par les non-humains. Des grottes, des rivières souterraines, personne ne sait vraiment ce qu'il y a autour des stations du métro, au-delà ou en dessous. Il n'y a pas de cartes, les cartographes ne... sont jamais revenus de leurs expéditions, et ces étranges créatures de cauchemar qui habitaient les catacombes sont-elles vraiment le fruit des radiations? Ont-elles toujours vécu là-bas? Peut-être qu'elles évitaient les hommes et qu'aujourd'hui, voyant que notre fin est proche, que nous ne sommes plus les maîtres de la Terre, elles ont repris confiance et nous approchent peu à peu pour nous attaquer et nous dévorer tant qu'on est encore chaud. Ce qui expliquerait pourquoi elles ont peur de la lumière. Elles ont toujours vécu dans le noir. Ah mais... Elles ont un cul d'araignée, celles-là? Putain de bestiole de merde.
Ouais, on enlève leur masque en fait, et puis elle. Juste un test, tiens. Ouais, ça enlève l'armure, mais ça les. Ouais, ça doit arriver à l'infini, je pense. Ah non, mais il lui manque une patte à elle. C'est-à-dire que c'est une que j'ai déjà. Je me demande si je le retire dans le cul, est-ce que c'est one shot? Ah mais en fait c'est la tête ça va mais le dos ça a l'air de pas aller du tout. Putain mais j'arrive pas à la tirer hein. À la tirer dessus plutôt. Voilà, la tête a sauté. La tête prédator. Je sais pas si c'est vraiment à l'infini qu'elles arrivent ou pas. On entend des trucs. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir plus, hein. A priori. Allez-y, allons-y. Donc il y a vraiment le cul d'araignée, hein. Il doit y avoir différentes sortes peut-être. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, on y va. Allumé, là. Allons-y. Ouais, vous voyez, c'est là, c'est pas les mêmes. On dirait plutôt un cul de scorpion. C'est bon, on craint rien ici. En tout cas, la petite théorie que j'ai vue là sur les. Voilà, peut-être que. Qu'elles ont toujours vécu dans les profondeurs de la terre et tout. J'aime beaucoup cette théorie. Laisse-moi fabriquer une torche. Parfait. Lumière. C'est bon, on y va. Allons-y. Et oui, le timer, on est à 13 minutes, ça va. Et le record de ma gueule ne s'est pas arrêté en cours. Quoi, merde. Ah ouais, il y a des petits trous et tout. Alors, je peux pas passer par là? Non. Pousse. Flipper lui. Putain. Comment il sait exactement enfin leur point faible, etc. C'est-à-dire que c'est le type de créature qui est assez courant dans le métro. Et puis elles partent vachement vite en backpedal et tout. Je vais aller par là, moi. Merde! On dirait une serrure électrique. Bon, les câbles vont. Et voilà. Ah, par là. Eh, regarde, D'Artagnan. Y'a de la lumière?
Si tu suis les câbles, tu devrais trouver une boîte à fusibles. Ça devrait ouvrir la porte, mais la batterie est sûrement morte. Quand tu la trouveras, attache-y ton chargeur et on tentera d'ouvrir la porte, compris ? Ok, ça marche. Hey, t'en fais pas pour moi. Je suis Atos. Je vais les tuer de ma lame. Désolé, j'ai eu un gros freeze. Je vais regarder juste vite fait que la caméra regarde toujours. Hop, ouais, c'est bon. Ah putain, je vous jure, c'est à cause de mon problème de pilote. C'est super chiant. Bon, allez. Allez, Artyom. Faut aller par là-bas. Heureusement que les araignées, je sais qu'elles sont vulnérables. Donc là, c'est pour repartir, je suppose. Hein. Hop. Ouais. On va faire les techniques de Divin et Gauvin pour sécuriser une pièce. Un tour de 180 degrés. On va tourner sur nous-mêmes tout le long. On va vomir partout, ça va être génial. Pavel a aussi été capturé aux environs des jardins. Je me demande ce qu'il fabriquait par là-bas. Bah oui, tiens, surprenant. Qu'est-ce qu'il pouvait bien tous y faire? Je crois que je lui poserai la question plus tard. Pour l'instant, l'important est de survivre et de franchir les frontières du Hatch. C'est pour ça que je me dis peut-être que c'est un agent, en fait, qui voulait juste savoir nous-mêmes, enfin, comme le Reich, en fait, sauf qu'on s'est retrouvé dans le même galère. Il va peut-être nous trahir, malgré le fait qu'il soit super cool. J'espère pas, parce qu'en vrai, je l'aime beaucoup, ce personnage. Il aurait pu nous abandonner comme un connard. Et il l'a pas fait. Et ça, c'est quand même cool. Ah, il a l'air plus gros celui-là. Yeah, 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 danse avec moi. Alors, admirez, du coup, le skin. Donc là, il y a une queue de scorpion. Il y en a d'autres qui ont des queues d'araignée, visiblement. Il a une tronche qui ressemble à Predator, avec les bonnes grosses mâchoires bien proéminentes. Regardez ça. Ouais. Avec les bonnes grosses mâchoires bien proéminentes. Une carapace au-dessus. Des poils. Et quatre pattes seulement. Il y en a d'autres qui ont... Il y en a d'autres qui ont des trucs d'araignée. Plutôt que des trucs de scorpion. Si j'éteins la lumière, il se passe quoi? Rien dit directement. Donc c'est pas... Voilà. On va quand même faire gaffe à la torche. Hein. Sur deux niveaux, faut faire. C'est vraiment la merde cette arme. Vraiment de la merde, la merde, la merde. Parce qu'il s'enfuit. Ces mobs à la con. Voilà, on allume. Sésame, allume-toi. Mais de quoi? Mais pas du tout. Bon, il y a des œufs. Il n'y a pas des... Non, j'ai pas de grenade incendiaire. Plus des petites, hein. Il y en a de la bestiole, hein, par contre. Pour ceux qui aiment pas trop les araignées ou les trucs du genre. Moi, personnellement, les araignées, bon, je m'en fous. J'aime pas spécialement, attention, hein. Mais je m'en fous. Après j'avoue que ça me dégoûte tout ce qui est insectes et trucs comme ça. Donc ces trucs là c'est inclus dedans. Pas peur, mais c'est pas de la peur, c'est plus du dégoût. Voyez. Ah déjà. Bon ça va, c'est pas trop loin en fait. Succès déverrouillé ingénieur. Thank you.
Bah alors? Fais-moi les marioles, hein. Allez. Non, mais c'est juste pour s'amuser, on s'en fout en vrai. Je voulais juste m'éclater un petit peu. Ok. Allez. Ils sont stressants, ces monstres, mais là, je trouve qu'ils sont pas en grosse quantité par rapport, je rappelle, la fin de Metro 2033. Mais il y avait au moins 3 ou 4 en même temps. Je me tournais dans un côté, je tirais sur un gars, et paf, il y en avait deux autres qui arrivaient derrière. C'était... Ah, j'avais pas vu ça. C'était super oppressant. Waouh, c'était super, Artyom. Ce qui me l'a soufflé, l'idée, mais bon, passons. Ouais. Bon. Et de une. Suis-moi. Ils auront du mal à... Ouais, c'est bon, nickel. Fin de niveau, j'aurais du mal... J'allais dire, ils auront du mal à passer par la porte vu la... le brasier devant. L'entrée du métro ne doit plus être loin. Mais peu importe la distance, il va falloir la parcourir à la surface. Et là-haut, chacun de nos pas peut être le dernier. Tout à fait. Alors, notez que j'ai toujours pas trouvé de... On y est, mon ami. De ville amie. Allez, on a très peu de temps avant la nuit, compris? Une clé. Bon, avec l'effondrement du tunnel, le seul moyen d'atteindre l'escalator pour aller au théâtre, c'est de passer par la surface. Et crois-moi, mieux vaut éviter d'être coincé ici dans le noir. J'ai lu un journal, j'ai pas vu. Depuis le jour où on a fini dans le métro, je ne suis remonté à la surface que quelques fois. Les radiations sont trop fortes là-bas. Les expéditions fréquentes se traduisent par des maladies graves chez ceux assez courageux pour les tenter. Il faut toujours rester sur ses gardes à la surface. La pollution est souvent mal répartie, certains points dégagent une dose létale de radiation en quelques minutes, alors que d'autres lieux pourraient être habitables si l'on pouvait faire abstraction des monstres et de la désolation insoutenable. Il est impossible de différencier ces lieux à l'œil nu. Il faut utiliser un compteur Geiger. Il faut utiliser un compteur GGR. On ne peut pas s'aventurer à la surface sans masque à gaz. Avant, la Terre était à nous. Aujourd'hui, même si je me rappelle ce jour d'été dans les jardins avec ma mère, j'ai du mal à croire qu'il a vraiment eu lieu. Je n'arrive pas à croire que je vivais dans une grande maison et que je pouvais regarder le ciel tous les jours. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu dans le métro. Mais ce monde qu'on a perdu me manque. J'ai même pas vu que j'avais ramassé un truc. On a de la chance, mon ami. Cet endroit semble habité. Sûrement par des rangers, enfin je crois. Ouais, en tout cas, niveau faire les poussières. Merde, je manque de filtre. Il va falloir faire avec. Bon, allez, prends ce qu'il te faut. On est tous frères dans le métro. Ouais, enfin. On est tous frères, on est tous frères. Dis ça aux fachos, tu sais. Donc, du coup, on est tous frères, donc on pille les potes. Très bien. C'est une manière comme une autre de pactiser avec ses frères. Et il y a un filtre aussi à côté. Par contre, ouais, justement, comme je disais, j'ai pas encore retrouvé de marchands. Enfin, j'ai pas trouvé de marchands en fait. Hey, mon vieux, ta montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai? On n'a plus rien à faire ici. Allez, on a... Tu sais, il paraît qu'il y a des trucs ici qui résistent même aux balles. Quoi encore? T'as vécu de sales moments, je sais. Et attends-toi au pire. Si tu parles des démons... Si tu veux vivre, tu dois toujours rester sur tes gardes. On voit rien du tout. La vache. Wow! Impressionnant! On m'a parlé de cet endroit. Cet avion allait à Moscou quand toute la ville a pris feu. Ouais. Le bâtiment où il s'est écrasé, c'est l'entrée du théâtre. Oui, l'avion là, putain. La glace fond ici. C'est presque comme le printemps, hein, mon ami. On vivra peut-être jusqu'en été. Attends une petite minute. Il doit y avoir un passage souterrain par ici. Les rangers ne traverseraient pas la place à découvert. Ok. On pourrait marcher sur cette aile, là. Bon, dommage pour le soleil. Ces nuages sont arrivés vite. Ah ouais, vachement vite. Bon, attends, dès que j'explore en haut quand même. Mais la pluie est pas radioactive? Euh...
Oh merde, c'est radioactif, j'ai l'impression que ça brûle à travers les gants. Mais sans déconner que c'est radioactif, espèce de connard. J'ai que 3 minutes de filtre. Oh putain. La baise. Bon bah vas-y, on avance hein. En 3 minutes, de toute façon, on peut pas faire des miracles. J'ai presque plus de filtre. Bah moi non plus, connard. Attends, je peux me balader un petit peu par là. J'espère qu'il y a un truc utile. Bon, déjà un bon point. Un petit filtre. Et un filtre là. Par contre, niveau filtre, pareil, on est à 1 minute 49. Ça va être tendu cette mission. Enfin, les hautes herbes, c'est pas un coup à se faire enculer par. Voilà, des raptors. On a plus rien à faire ici. Allez, on avance. Ouais, attends, vas-y. Fais-toi. Je me suis baissé, j'ai appuyé sur contrôle par réflexe, mais ça change strictement rien. Mais attends, il avait dit un officier de la ligne de. Mais c'est quoi ces bruits? Ah putain, mais c'est ces bestioles là, mais. Mais elles font flipper en vrai. Il a dit un officier de la ligne rouge ne pille pas les cadavres, mais toi fais-toi plaisir. Je vois pas de cadavre. Bon. Avançons. Voilà le passage. Dépêchons-nous. Ça veut dire que c'est pas bon signe, c'est ça le tududut, tududut. Par là. Donc là je vois une entrée. Il y a un rat. Deux rats. Couvre-moi et couvre les coins. Doucement. Deux secondes. C'est vrai qu'on n'a pas trop affronté de rats pour l'instant. Hein. Alors que, enfin, des nosalis, voilà. Alors que c'est les ennemis de base. Enfin, dans le 1, c'était les ennemis de base. Ceux qu'on rencontrait le plus, dirons-nous. Pas les ennemis de base, étant donné que les sombres étaient les ennemis principaux, mais on les rencontrait jamais. Cherche des filtres, Arthur. Tu peux changer de masque, mais. Le pauvre gars a plus besoin du sien. Espèce d'ordure. Je crois que je vais vomir. Ah. Fais attention. Il paraît que c'est une autre chose que le. Un bon communiste ne croit pas à l'âme, tiens. Mais ce putain d'endroit me fait presque douter. Un bon communiste ne croit pas à l'âme, pourquoi? J'avoue que je suis pas pro hein, dans le domaine. Mais entre les convictions religieuses et politiques, bon, peu importe. C'est sûrement une raison, hein. Un rat blanc? C'est un rat blanc? Il est mort. Mais c'est quand même un rat blanc. Enfin, j'ai vu un truc. Oui, un filtre. Un rat albinos. Ah, attends. Allons vers la lumière. T'es sûr? On m'a toujours dit de faire l'inverse. Vérifie ce local d'entretien. C'est quoi, c'est ça le local d'entretien? Bon, peu importe. Ah non, c'est ça. Ouais, mais attends. Je peux aller en haut ou pas? Il t'éteint ou quoi? J'ai fait une connerie.
J'ai fait une connerie. Tu m'aides à tirer quand tu veux, Lily. Je fouille! Laisse-moi fouiller, putain! Attends, de quoi? C'était le chemin principal? Y'a quoi ici, du coup? Ah ouais, je suis passé par le chemin principal direct. On change le filtre. Il y a un filtre planqué là. Ouais. Ainsi qu'un un flingue. Je peux passer derrière là. Il y a un masque, le gars. Par là, il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen de... Bon, disons que non. Une vraie arme. What? Le magnifique ciel. Il faut une arme genre... Comment? Un fusil à pompe avec plus de balles qu'une seule. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça serait pas trop mal. Voyons comment passer par l'avion. On peut remonter par l'aile, il y a un couteau là. Non, j'ai rêvé. Je peux voir un couteau. Bon, j'ai dû rêver. Ah oh, putain. Coucou petit filtre. Coucou petite balle. Par contre le PNJ il bouge plus mon pote. Ah je peux pas sauter là, d'accord. Je peux essayer 15 000 fois, si je peux pas sauter je peux pas sauter, ça sert à rien de forcer. Donc là par là on a quoi? Les radiations. Ah mais je peux pas sauter par là non plus. Putain c'est chiant en fait. On peut faire le tour mais on peut pas avancer par Ouais. Je pense que c'est pour dire on sort des zones prévues et il nous faut des radiations. Bon. Tant pis. Je suppose que c'est par là du coup le passage par l'avion. On y parlait. Et tu me couvres de l'autre bout là? Non parce que je vais pas faire mon connard mais là pour me couvrir t'es un peu loin quoi Billy. Par où on passe là? Tu veux pas venir? Ah j'ai plus de filtre en plus. Non d'accord. Bon. C'est visiblement par l'avion qu'il faut passer. Par là? Non. Je sens que je vais mourir étouffé dans pas longtemps. On peut pas passer par là-haut? Non. Par l'aile. Ça donne quoi?
Ouais, je vais mourir là, je pense. Bah non, on peut pas sauter là-dessus. Il y a l'entrée par là, donc faut vraiment aller sur la par là en fait. Je vais recharger au prochain point de sauvegarde, c'est pas trop grave. C'est vraiment visiblement par ici. Je suis coincé, non c'est bon. Bon. Peut-être aller là-dedans. Je sais pas comment passer par contre. Vas-y. Meurs et reprends. Une mort lente et horrible, comme on aime. Voilà, dernier point de contrôle. Eh bah putain. Bon après des galères et des galères, j'ai enfin trouvé en fait c'est cette porte là qu'il faut que j'ouvre. Hop, voilà, voilà. Bon, pas grave, on va s'arrêter là pour l'épisode de toute façon. Je pense que je virerai le passage de recherche intense. D'un dernier coup je reprendrai ici, j'ouvrirai la porte. Enfin, n'oublions pas de fouiller les deux salles. Bref, pendant que mon Artium succombe lentement, je vais vous dire merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos, à me suivre sur mon compte Twitter, sur mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Puis moi je vous dis à la prochaine fois pour un futur épisode du Let's Play sur Metro Last Light. Allez, salut salut.